Bon, salut à tout le monde, nous avons la parole, qui c'est Jésus-Christ, qui est venu faire chair parmi les hommes, pour être capable de sauver tout le monde qui croit en lui. C'est pour lui toute gloire, l'honneur, puissance et louange, depuis qu'il y a et pour tout le temps. Amen. Jodi a, nou pral pale de verset sa ki se 2 Samuel 1er verset 26. Kote, David di, l'amou Jonathan te gen pou li te plis pase l'amou yon fam. Gen anpil moun ki pa rive kompran verset sa. Nou pral esplike an detay ki sa parol sa vle di. Jonathan, apre li te fin renkontre ak David, parol la di nou nan 1 Samuel 18 verset 1, nam li te atache ak nam David. Eh bien, se kon sa, Jonathan ki te pitit Saül, et David, bon Dieu, t'a choisi pour le remplacer Saül comme moi. Saül pas d'accord avec choix ça. Comme ça, il t'a cherché moyen pour lui détruire David. Mais Jonathan petit Lia pas jamais quitté sa rivée fait vrai. Chaque fois Saül papa lui fait plan pour tuer David. Jonathan getan fait David comme ça. L'ité toujours épargné David, li pat quitté papa li Saül, rivé touye David. C'est dans sens ça que parole la dit nous, l'amour Jonathan te gen pour David là, l'ité pi fort passé l'amour yon femme. Dans Ecclésias 7, verset 26, Salomon écrit, « Moi joigne un bagay qui pi amer que l'amour qui se femme. » Dans la version créole, là, il dit qui pi red passe l'amour qui se femme. Salomon dit, « Les lidis li remè, se yon pèlè li pare pour ou. » Kounye ya, on nous fait une comparaison entre l'amour Jonathan pour David et l'amour d'une femme dans la Bible qui c'est Delila, Madame Samson. D'après Juges chapitre 16, Delila qui était femme Samson, c'est lui-même qui te baille possibilité pour peuple philistin te prendre Samson pour yo te tuer lui. En pile monde kon histoire ça. Lui-même étant que femme Samson. Kounya en fait comparaison entre l'amour Jonathan pour David qui pas quitter Saül papa lui tuer David. Ak l'amour Delila pour Samson Marili qui te livré Marilia pour peuple philistin te capable tuer. Qui est qui pi fort entre l'amour sa yo? Li clair, c'est l'amour Jonathan pour David là qui pi fort parce que li te rivé sauver la vie David. Mais l'amour femme là qui c'est Delila lui te permet que peuple philistin rivé prend Samson pour y être capable tuer. Li clair, c'est normal. L'amour Jonathan pour David te plus passé l'amour yon femme. Kounya en tourné dans Ecclésias 7 verset 26 là. Gayon fwè qui te mandé nous explication sous verset ça.
Salomon dit dans Ecclésiaste 7, verset 25 là. Verset 25 ou 26, ça va dépendre de qui version ou utilisé là. Moi joine yon bagay qui pire passer la mort ces femmes. Là yo dit yo remè ou c'est pelé yo paré pour ou. Là yo passé bois nan kou, c'est chen yo passé nan kou. Yon moun ki fè bon Dieu plaisir va chaper en bas main yo. Mais moun k ap fè ça qui mal a tombé en bas griffe yo. Nan parole ça, Salomon pas parler de toute femme en général, mais li a parlé de yon catégorie de femmes. Pour nous comprendre ça bien, Salomon c'est yon nanèk qui te gen en pile femme. Li te gen en tout 1000 femmes. 700 femmes kay et 300 concubines. Dans le langage panouan, nous sommes capables de dire qu'un gay. D'après 1 roi 11, verset 3. En pile de femmes, c'était moun l'autre nation. Eh bien, femmes moun l'autre nation, ça y est, tu prends tête Salomon. Yo te fait Salomon vireto by bon Dieu. Salomon te tombé nan servi zidol. Salomon te rentré nan fait tan pou zidol. Sa te bral fait bon Dieu fâché. Li te bral divisé royaume Israël la pou tête péché Salomon an. Nou te fait yon vidéo qui parle de ça déjà. Li pas divisé sous roi Salomon, c'est peut-être papa li David. Mais immédiatement Salomon mouri, royaume Israël là devine divisé en deux, royaume sud et royaume nord. C'est comme ça Salomon vient réaliser des femmes qui pire amer que la mort. Mais c'est même Salomon ça qui écrit les honnêtes joignent mon femme, li joignent bonheur d'après Proverbe 18 verset 22. Qui ça nous vient comprendre? Si Salomon dit moi joine yon bagay ki piret ou bien ki pi amè ke lan mò ki se fòm, et yon lòt kote li di yon nèg ki joine yon bon fòm li joine bonè, sa fè n konprann lè li di moi joine yon bagay ki piret pase lan mò ki se fòm ou bien ki pi amè pase lan mò ki se fòm nan, li pa pale de tout fòm mais la parler de yon catégorie de femmes. Mais c'est pas jamais toute femme en général. Yon mauvais femme pi amè passe la mort, mais yon bon femme fait bonheur garçon. Nous dit merci à tout le monde. Que bon Dieu la vie a béni. Nous espérons rencontrer dans une autre vidéo. Bye bye. Ciao. Et glorifie son nom.